La question de savoir si le porno peut, les contenus pornographiques peuvent avoir un impact sur la confiance en soi des jeunes, adolescentes ou adolescents qui sont confrontés à ces contenus. Je ne suis pas sûre que cette question-là, posée en ces termes-là, nous amène à des réponses évidentes, en tout cas. Et je mets au défi quiconque de pouvoir affirmer que l'exposition à un contenu pornographique nuirait à la confiance en soi des adolescents qui, déjà en tant qu'adolescents, de toute façon, peuvent présenter un certain nombre de fragilités. J'ai le sentiment que la question n'est pas tellement exposition à un contenu pornographique ou non-exposition à un contenu pornographique, c'est comment est-on à exposer à un contenu pornographique et à quel contenu pornographique? Alors, si je prends le premier terme, comment y est-on exposé? Il est évident que pour toute exposition, d'une certaine façon, si on est exposé qu'à cela, dans une sorte de désert autour de soi, alors oui, là, on peut effectivement avoir des craintes, des inquiétudes, et notre rôle d'éducateur, au sens très large du terme, c'est de veiller à ce que surtout ce ne soit pas l'unique accès. Voilà. Mais ça c'est vrai du contenu pornographique, c'est vrai du contenu violent, c'est vrai de tout type de contenu dont on estime qu'il peut avoir des effets qui doivent être mis sous surveillance. Voilà. Donc, il est évident que si un adolescent ou une adolescente n'a que ce seul. Cette seule entrée sexuelle ou ce seul biais pour faire connaissance avec la sexualité, alors il doit y avoir alarme. Mais pas plus parce que c'est du pornographique qu'autre chose. Voilà, moi j'aurais la même alarme si un adolescent regardait en boucle des choses à caractère violent, des contenus à caractère violent. Et puis il y a ensuite, qu'est-ce qu'il en fait? Qu'est-ce qu'il en fait? Et là c'est pareil, s'il est. Baigner suffisamment dans un environnement alors social, affectif, moral, psychologique, familial, tout ce qu'on veut, suffisamment ouvert, suffisamment riche pour qu'il puisse aller, comment dirais-je, confronter ce contenu avec d'autres contenus, alors faut leur faire grande confiance pour qu'ils arrivent à faire la part des choses, pour qu'ils s'aperçoivent eux-mêmes que c'est une façon de faire l'amour, mais qu'il y en a peut-être 50 000 autres, qu'on peut être performant, mais on peut aussi hésiter, que le doute peut avoir du bon, qu'on n'est pas tous des Rambos et que franchement, c'est pas un but en soi que de l'être. Enfin voilà, encore faut-il pour cela que nos adolescents soient nourris par cela. Alors, après la question, qui les nourrit? Comment sont-ils nourris? Comment faire en sorte que le plus grand nombre de nos jeunes soient également nourris par à peu près les mêmes choses? Là, on en vient à des enjeux sociologiques et politiques.